Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite attaque du jour avec un petit gameplay, avec un petit replay du mode studio, on va dire, voilà, pourquoi pas, avec Rue Cherk, voilà, donc qui est niveau 8. Alors franchement, ce gameplay, je l'ai pris, c'est parce que il y a eu des petites actions, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, je vous donne un petit indice, il a un ballon, voilà, c'est un petit indice, et j'ai fait des actions, mais genre des fois, des petits millimètres, c'était vraiment pas loin, tu vois. Et c'était des trucs de fou, enfin vous allez voir. Je vous laisse le suspense un petit peu. Enfin, je vous laisse pas vraiment le suspense, étant donné que je vous ai dit que c'était à des millimètres près. Mais malgré tout, vous allez voir, c'est assez délirant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de commenter ça tranquillou, tu vois. Genre pépère, tu vois, genre on regarde un petit... Comment ça s'appelle, hein? Un petit film, voilà, on regarde un petit film. Alors là, regardez, je vais rigoler. Ah non, j'ai déjà rigolé. Ah non, voilà, je vais rigoler. Alors pourquoi? Parce que... Direct, tu vois, il envoie son missile. Seulement, je me dis, ah ouais, t'envoies ton missile, bah y a pas de souci, mon gars. De toute façon, je sais que je vais détruire toutes tes tours, ou presque. Mais je sais que, je savais d'avance que j'allais exploser le mec. Et là, il envoie, tu vois, il envoie ses petites hordes de gargouilles avec le ballon. Pas de souci, boum, j'envoie les flèches. Ok, après j'ai les petits gobelins. Bon, je les ai envoyés pour faire libérer la place. Et là, boum, hop là, j'envoie mes petites hordes de gargouilles. Tranquillou, il avait les flèches, ok. Mais il a pas tiré à temps, et c'était limite. Voilà, vous voyez, déjà là, c'était plutôt limite. Mais c'est pas fini, il y a d'autres actions comme ça avec le ballon, vous allez voir. Et franchement, c'est un petit combat assez sympathique. On se fait plaisir sur ce combat, franchement, vous allez voir. Donc là, j'envoie le mouse de lave, histoire de patienter, hein. Comme d'hab, hein, je patiente avec le mouse de lave. Et vous allez voir, l'action épique, enfin pas épique, mais... D'un côté si, parce que la carte qu'il va utiliser, c'est une carte épique. Mais malgré tout, regardez. Hop là, j'envoie ça pour défendre, tranquillou. Et regardez ce qui se passe. Boum, il en envoie un deuxième, le mec. Pas de soucis, au KLM. Mais pas de soucis, je défends. Hop là, il y a une de mes archis qui meurt. Pas de soucis, j'envoie des petites gargouilles. Boum, pour défendre. Allez, nickel, je les aurais même pas envoyés, ça aurait été pareil. Du coup, après, hop, voilà, j'essaye d'attaquer en haut, malgré qu'il ait les flèches. Et là, hop, je me fais plaisir. Vous voyez, hop là, ouais. Il renvoie une petite... Un petit missile, mais malgré tout, le molosse de lave qui meurt, qui se transforme en petit roquet de lave, les gobelins qui font plaisir et tout, enfin bon, laisse tomber quoi, truc de fou. Alors là, je voulais lui montrer, j'en ai profité, je voulais lui montrer que c'est le patron, du coup, je suis allé à droite, tu vois, je suis allé à droite histoire de lui montrer, t'as vu, je peux prendre ta tour du milieu, mais non, j'ai envie de faire le fou, je vais prendre la tour directement à droite. Et regardez, là, il envoie les flèches. Pour rien, je sais pas pourquoi, il a dû essayer de faire, tu vois, vite. Et donc du coup, moi j'envoie mes flèches pour tuer les hordes de gargouilles. Et puis là, il en renvoie d'autres flèches avec son miroir et tout. Seulement, bah ça touche toujours pas la tour. Vous voyez, c'est des actions comme ça, assez épiques et tout. Là, j'envoie mes petites gargouilles et le mol, enfin les trucs, enfin on s'en fout. On va regarder en bas, regardez les trucs épiques. Regardez, j'envoie tout ça, boum, sort de gel. Eh ben non, eh ben non, bim, à que dalle près, c'était quoi? C'était à, allez, à 1 millimètre près. C'est vraiment un combat de malade. Voilà, bon, j'ai pas détruit sa tour, de toute façon, je m'en foutais complet, j'avais pas besoin d'avoir non plus beaucoup de couronnes. Je crois qu'il me manquait une ou deux, un truc dans le genre. Ou même, je crois que j'avais ce qu'il faut. Non, il m'en manquait une ou deux. Et puis voilà, c'était pour avoir le coffre à couronne, mais c'était hors ligne pour l'avoir pour le pack opening. Et franchement, je me suis fait un petit combat, c'était plutôt délire. Ouais, donc tout à l'heure, j'ai envoyé les gargouilles parce que je voulais qu'elle tue les petits squelettes là. Et puis après, je voulais qu'elle aille toucher la tour avec les roquets de lave, histoire de faire encore plus de puissance. Mais le truc, c'est que je me suis dit, tiens, je vais mettre une Valkyrie aussi pour encore plus tuer les squelettes. Et comme ça, au moins, ça ira encore plus vite vers la tour et ça fera masse de dégâts. Et au final, vous avez vu ce que ça a fait. Ça fait ça a fait un ravage tout ça, toi. C'est un truc de fou. Il a même pas touché une seule fois ma tour avec son ballon. 3 fois, il a essayé, ou peut-être 4. Non, je crois que c'est 3 fois. Et 3 fois, j'ai fait des actions de ouf. C'était limite, quoi. C'était assez délirant. Il a même mis deux squelettes géants et tout, ça a pas fonctionné et tout ça, j'ai trop bien défendu. Enfin bon, une petite attaque assez oufissime, bon pas non plus extrême, mais c'était plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que je tenais quand même à la mettre en attaque du jour, c'était quand même plutôt... Je sais pas moi, ça valait le coup quoi, ça valait le coup. Bon, je suis pas non plus... très bon commentateur, hein. Je suis pas là pour commenter non plus, je suis juste là pour vous montrer mon petit gameplay. Et puis voilà, donc du coup moi, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.